rassemblés encore ce soir, en train de le chercher. Dis merci à Dieu de tout ton cœur. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh merci, oh Jésus, merci. Merci, oh merci, oh Jésus, merci. Merci, oh merci. Merci, merci, oh Jésus, merci. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh 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 merci, merci, oh merci, oh Jésus, merci. Merci, oh merci, oh. Ouvre la bouche et prie, dis merci au Seigneur, dis merci à Jésus, parce que c'est lui qui veille sur ta famille, pendant que toi es ici, c'est lui qui combat dans le secret derrière toi. Oh, dis encore merci à Dieu pour ce souffle de vie qu'il accorde à tes enfants. Oh, prie, dis merci. Dis merci. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Chacun va demander pardon à Dieu. Oui, parce que durant toutes ces heures que nous avons passées hors de la présence de Dieu, chacun de nous a péché contre le Seigneur. Dans le pensée en parole. Peut-être que sans le savoir, tu as offensé ton frère en parole. Tu as dit des choses qui ont été contraires à ce que nous dit la Bible. Alors ce soir, chacun va demander pardon à Dieu depuis le début de la journée. Jusqu'à Satan, nous avons tous péché contre le Seigneur.
Prions le Seigneur bien-aimé, demandons pardon à Dieu. Puis il faut prier. Prie. Demande-lui pardon pour toutes tes fautes. Oui. Tout mal que tu as fait aux yeux de Dieu. Toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche. Je vais glorifier son nom. Tout ce que tu as posé comme acte. Oui, demande-lui pardon ce soir. Reconnais tout tes biens. Reconnais tout ce que tu as fait comme mal. Parce que la Bible dit que tu ne reconnais que le péché de ta bouche. Alors ce soir, prie le Seigneur et demande-lui pardon pour tes fautes. Faut prier. Demande-lui pardon. Qu'est-ce que tu as pu faire pour qu'aujourd'hui la situation commence à s'empirer? Demande pardon à Jésus. Pardonne-moi de tout mes fautes. Tout le mal que j'ai fait depuis le début de cette journée. Puis prie et demande pardon à Dieu. Prie le Seigneur, bien-aimé. Amen. Alléluia. Nous allons prier, nous allons réclamer le sang de Jésus. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Tu vas réclamer le sang de Christ ce soir. Tu vas demander à Jésus de te plonger dans ton sang et qu'il purifie tout ton être. Qu'il te sanctifie par le sang qui a coulé sur la croix. Prions le Seigneur et réclamons le sang de Jésus. Lui prie. Faut prier. Il faut réclamer le sang de Christ. Que le sang de Jésus te purifie comme ton sang. Que Jésus te plonge ce soir dans ton sang. Et qu'il lave ton âme, tout ton être. Que le Seigneur nous plonge ce soir dans ton sang pour nous purifier. Le sang de Christ qui nous justifie. Oh, ce soir tu nous laves. Faut prier. Réclamons le sang de Christ sur nos vies. Prie. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier et nous allons réclamer l'Esprit de Dieu en ce lieu. On va inviter la présence du Saint-Esprit. On va demander à Dieu, oh, ce soir, de faire descendre son esprit pour nous visiter tous, pour nous remplir, pour nous assister. Prions le Seigneur et réclamons l'Esprit de Dieu en ce lieu. Oui, prie. Dis à Dieu de faire descendre son esprit pour te visiter toi-même. Que l'Esprit de Dieu descend pour te remplir, pour t'assister. Que le Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle de tout ce temps. Que l'Esprit de Dieu va nous faire du bien ce soir. Que descend pour nous réveiller. Que l'Esprit de Dieu descend pour nous assister. Oui, prie récemment le Saint-Esprit. Oh, bien, il faut prier. On est dit Dieu. Pour te remplir, pour t'assister. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de tout ce temps. Réclamons l'Esprit de Dieu ce soir, mes amis. Amen. Alléluia. Alléluia. Elie la goma mama kole komo kole komo akiti ya ora mama sunyana mama kole komo akiti ya ora mama tare amor.
Déjà au milieu de nous. Amen. Amen. C'est le maréchal de la brigade anti-mangeur d'âme. Amen. Le prophète Jean Carreau que nous acclamons ce soir, bien-aimés. Sur le plafond, et le Seigneur est en train de me parler. Il m'a demandé d'organiser ce programme. Amen. Amen. Il y a une spéciale à faire pour chacun d'entre nous. Amen. Dieu est tellement puissant. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse. Amen. Vous savez, Dieu, on le cherche comme on cherche l'argent. Si vous voulez le trouver, si vous voulez une action de Dieu, il faut que vous le cherchiez. Or, il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. D'autres ont laissé leur beau lit, d'autres ont laissé leur belle maison, ils sont... ici, c'est dans le centre, ici,
une seule chose. Chercher Dieu et le trouver. Or, quand on le cherche, on le trouve. Amen. Quand on cherche Dieu, on le trouve. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est vrai qu'on peut venir chercher Dieu et puis ne pas y mettre le cœur. Souvent, c'est le cœur Dieu regarde. C'est le cœur. Souvent, des personnes viennent parce qu'elles ont accompagné d'autres personnes. Donc, elles ne mettent pas le cœur dans tout ce qu'elles sont en train de faire. Or, quand on cherche Dieu, on met le cœur. Quand on te dit dors ici, tu dors ici. Quand on te dit fais ça, tu fais ça. Le fait même de se déplacer pour être ici, c'est un acte de foi. Or, Dieu, le principe sur lequel Dieu basera pour te délivrer, c'est la foi. C'est ça le cœur. Or, la foi, c'est une ferme assurance de choc qu'on espère. Et la foi se démontre. Elle s'est démontrée par cette action qui t'est déplacée pour être jusqu'à ici. Amen. Amen. Et Dieu fera aussi des grandes choses. Amen. 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 Dieu fera des grandes choses. Et c'est, et la nuit, quand je priais pour toi, la veillée, j'ai vu quelque chose de très horrible. J'ai vu dans ton ventre, lève-toi, viens ici. Voilà. C'est le qu'on appelle le foyer, là. Les trucs qu'on les gens prennent pour mettre le feu au village, ça. Le forgement. C'est ça? Oui, foyer en fer. Voilà. C'est le foyer en fer que j'ai vu tout chaud, hein, qui était positionné dans ton ventre. Et sur le ventre, j'avais un canari, c'est fait en terre, mais qui est en train de bouillir. Et Dieu me montrait le cheminement, les choses qui se passaient dans ton ventre, et ça a été détruit. Amen. C'est un puissant miracle de Jésus. Parce que ça, là, tu ne pourrais jamais t'en sortir. Jamais. Et la sorcellerie est en train de te détruire à petit feu. Détruit, détruit, détruit. L'année prochaine, tu vas tomber enceinte. Cette année, tu n'auras pas la force de prendre une grossesse. Je fais la vidéo parce que je vais reprendre encore la vidéo. Je te dis parce que Dieu m'a parlé. En temps normal, je ne vais même pas être ici. Si tu crois, tu crois pas, moi je m'en fiche. Tout compte fait, moi je te donne une révélation, moi j'y crois à ça. Le fils, ça ne m'a jamais menti. Je ne l'ai pas pour un pour dire Dieu m'a dit. Non. On entend de prendre la vidéo, une action va se produire. Et l'année prochaine, Dieu prend le temps de te faire soi physiquement, il fera le reste. Qui a vu un peu la délivrance hier? Tu as assisté un peu à la délivrance de ta femme? Elle n'a pas été? C'est terrible. La douleur était où? Quand tu t'es... Hein? Au niveau du ventre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies cette douleur? Quand tu priais tout de suite. Non, non. Comment tu as eu la douleur? C'est venu comment? La douleur est venue quand j'étais enceinte. Écoutez très bien l'histoire. Quand j'étais enceinte, j'ai eu une belle mère, j'étais couchée au dehors en songe. Elle est venue avec une de ses soeurs. C'est une femme, c'est un garçon, elle ne sait pas. Maintenant, j'étais dans le dos vers la route. Dans le rêve. Dans le rêve. Maintenant, quand elle est arrivée, elle m'a demandé est-ce que l'ami de ton mari est là, de la petite soeur de ton mari est là. J'ai dit non, elle est là en bas, moi je suis en haut aussi. Comment je peux le savoir? Un coup, elle allait en arrière. La personne qui est derrière là, c'est lui maintenant qui est venu mettre sa main dans mon ventre. Jusqu'à la main arrivée dans mon ventre même. Et j'ai commencé à crier. C'est par les cris que mon mari s'est levé. Depuis ce temps-là, depuis 7 mois jusqu'à 11 mois. La grossesse a fait 11 mois. Maintenant, à mon accouchement, c'était grave. De 7h15. Jusqu'à 16h, il fallait des machines d'abord pour que j'accouche. Des machines, ça veut dire qu'on t'a fait une... Non, on ne pouvait pas m'opérer. On ne pouvait pas t'opérer. Il fallait partir prendre les machines, des choses comme on avait ça. On n'a rien eu.
réanimation et puis chose pilotage pour pouvoir enlever l'enfant là-bas. C'est comme ça. Et donc l'enfant est mort-né. Oui. Mais là, après ça, là, j'ai un mot de voix. Ça fait au niveau 4 ans, 6 mois. Je suis ça, c'est mal. Oh, quand j'ai prié hier, je veux que tu m'excuses parce que c'est moi-même, ça m'a épaté ce que Dieu faisait. Quand je priais hier, tu vivais quoi? Parce que j'ai ressenti la même chose. Et toi, tu vivais quoi? Pendant que je priais hier, c'est la nuit là, ou ce matin plutôt, vas-y, c'est ce que c'est ce matin. Quand tu priais, c'était comme un truc bien chaud qui était dans mon ventre, qui tournait dans mon ventre. Et ça faisait, on dirait, c'est quelque chose qui veut sortir de mon ventre. Puis ça me faisait mal, ça tournait. Je ne savais pas comment faire. C'est pour ça que ça s'est passé. Et après? Et après, quand tu as commencé à prier, tu as commencé à prier, ça s'est calmé. On voit quelque chose qui est quitté dans mon ventre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc, j'ai vu la chose se fondre. Le feu s'est fondu et j'ai vu le cavalier se fondre. Jésus t'a guéri. Amen. Elle va tomber enceinte. Non, je suis prophète. Je ne suis pas pasteur. Elle va avoir un beau garçon. Tu vas l'envoyer ici. Je suis en train de prendre cette vidéo. Parce que Dieu m'a parlé tout à l'heure quand je t'ai couché. C'est pour ça que je suis venu rapidement. Parce qu'il y a beaucoup de paroles pour vous ce soir. Amen. Il y a beaucoup de paroles. Maintenant, elle peut passer, salut, cette période-là, elle va récupérer physiquement. Elle vient de très loin. Physiquement, elle est épuisée. Ok? Quand on va commencer à aborder le mois de mars prochain, vous allez voir le processus du miracle va se mettre en marche. Amen. 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 Je vais expliquer le ministère des prophètes. Et ça, c'est important pour chacun d'entre nous de comprendre. Le prophète. Quand nous lisons dans la Bible, à partir de 1 Samuel, le chapitre 9, le verset 9, nous avons l'habitude d'enseigner dans la répétition pédagogique. 1 Samuel 9, 9, écoutez très bien. Autrefois en Israël. On dit autrefois en Israël. Quand on allait consulter Dieu. Quand on allait consulter Dieu. On disait. Venez. Venez. Et allons vers le voyant. Allons vers le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète. S'appelait autrefois le voyant. Amen. Amen. Donc la vraie appellation du ministère du prophète, c'est la voyance. Le prophète, il est comme le scanner. Chaque ministère a une particularité. Or, la particularité prophétique, c'est la voyance. Or, dans la voyance, Dieu ne donne pas une voyance comme ça. Mais quand tu donnes une voyance, c'est pour atteindre un objectif, c'est pour délivrer. Or, quand on ne délivre plus, c'est ça qui est un problème. Or, vous allez voir qu'il y a des gens qui peuvent donner une révélation, qui ne peuvent pas délivrer. Il y a un problème. Parce que la Bible est claire là-dessus, il envoya sa parole et les guérit. Je sais pas, les marabouts, les charlatans le font. Moi, j'ai connu quand j'étais encore païen, mon papa venait. On a connu les plus grands marabouts du Bénin, des futurs du Bénin, du Mali, des grands marabouts du Burkina. Ils venaient même expliquer des choses claires. Mais ils ne délivraient pas. Or, quand on donne une révélation, c'est pour délivrer. Amen. Amen. Or, le prophète, il est une clé. C'est pour ça que quand tu tombes sur un prophète, selon Dieu, Dieu ouvre les portes de ta vie. Cette maison a une clé, ma maison a une clé, ce portail a une clé. Oh, il y a une clé pour ouvrir ta porte. Le prophète est une clé. C'est pour ça que généralement les prophètes ne sont pas des prieurs. Amen. Amen. Comme on généralise la chose, on veut que le prophète prie. Oh, le prophète prie pour moi. Mais le prophète lui apporte quelque chose à ta vie. Oui, oui, c'est comme ça. Quand il intervient son intervention, c'est qu'il apporte quelque chose. Amen. Amen. Alors c'est ça qu'il devait savoir l'histoire de chacun, de chaque prophète. Tu es devenu prophète comment? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être prophète, on se lève un bon matin, on veut être prophète. Moi j'ai mon histoire. J'ai mon histoire, je suis parti de quelque part.
où j'ai rencontré même Jésus, qui m'a dit à partir d'aujourd'hui, je te confie une mission. C'est pour ça qu'il a dit aux gens, les gens qui me combattent, vous ne pouvez rien parce que je ne suis pas laissé, je ne suis pas autoproclamé prophète. Je ne me suis pas levé un peu matin pour dire je suis le prophète grâce au nom. C'est Dieu qui m'a imposé ça, ce travail. Amen. 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 Donc, la Bible dit que dans Samuel 9:9, autrefois, qu'on allait consulter Dieu, on disait allons au voyant. Amen. Amen. Parce que le prophète, c'est la voyance, le mystère prophète. Or, le prophète, avant, même s'il voit des choses, il y a une action qu'il doit poser, qu'on appelle l'action prophétique, qui règle toutes choses. C'est comme un code. Amen. L'action prophétique, c'est comme un code. Il vient décoder ce qui est codé. Quand vous lisez un peu l'histoire de la parole de Dieu, vous allez comprendre que les prophètes n'ont jamais prié. Ils ont décodé, ils ont libéré la vie. Amen. Nous allons dans 1 Samuel 5, le verset, à partir du verset 9. Amen. Vous serez bénis tout à l'heure. Regardez seulement. Regardez. Et vous allez voir la manifestation de Dieu. Mais après qu'elle eut été transportée. Ça dit ta voix. Sans graine est foutu, pas de coup. Ça tout fait. Après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville. 2 Samuel, le chapitre 5, le verset 9. Oh, on a chanté ensemble hier, le matin. Là. Voilà, faut t'entretenir ça. C'est un instrument. Si t'entretiens ça bien, c'est fini. Le petit là, il a un pouvoir en lui, c'est ça que j'ai demandé au pasteur de le prendre. Il a un pouvoir, il a du venin. C'est un esprit qui est en lui. Il a du venin qui détruit. Allons-y. David s'établit dans la forteresse. Deux rois, oulala. Excusez-moi, oulala. Je te fatigue aussi, André. Excusez-moi. C'est deux rois. Deux rois 5, c'est ça, le verset 9. Deux rois 5, le verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? J'entends. Attends, j'ai devant te dire. Approche-y. Haute voix. Tu peux rester là-bas, haute voix. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un message. Va. Un messager, c'est ça? Et lave-toi sept fois. Réponds le message. Un messager. Élisée lui fit dire par un messager. Voilà. Va et lave-toi sept fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et agira. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, la Bana et le Papa. Allons-y. La Bana et le Papa ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et lui dire, mon maître,
si le prophète... Mohamed, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devient comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je vais revenir sur l'histoire. Ici, il s'agissait de Naaman.